la sophrologie dans le cadre de la Ligue contre le cancer est une activité qui permet à de nombreux patients tout simplement de mieux vivre les épreuves que cette maladie met sur leur chemin. Je dirais tout simplement que la sophrologie leur apprend à se détendre, à respirer, à mieux prendre conscience de leur place dans leur quotidien. La sophrologie leur permet aussi d'avoir davantage confiance en eux-mêmes, donc de devenir acteurs de leur maladie, tout simplement. La personne ne se sent plus victime, mais elle se sent sujet. Elle se prend en main par rapport à cet intrus à l'intérieur de son corps qui est la maladie du cancer. Elle prend conscience du côté positif que cette maladie peut lui apporter dans le cadre de la connaissance de soi, dans le cadre du soin par rapport à soi-même. Enfin, elle pense un petit peu à elle-même. Elle prend de conscience que c'est en étant mieux par rapport, dans la relation par rapport à elle-même qu'elle sera mieux dans la relation avec les autres. La sophrologie, ça lui permet d'être, non plus de paraître, mais de regarder à l'intérieur de soi-même toutes les capacités et les potentialités qui se trouvent quelquefois enfouies et que par des exercices appropriés, elle permet de faire remonter à l'intérieur d'elle-même et d'en prendre conscience. Donc, elle prend conscience de cette force vitale au plus profond d'elle-même, cette force vitale qui permet tout simplement de faire avec sa maladie, de continuer à vivre et de développer d'autres potentialités à l'intérieur de soi-même.